Hey, bonjour à tous les aliens, mon nom est Spock. Easy! J'espère que vous allez bien parce que mon part ça va super super bien comme d'habitude. Encore aujourd'hui, on a des nouvelles excellentes, excellentes sur Fortnite. Comme prévu, le deuxième leak est sorti et franchement, c'est vraiment quelque chose qui nous embrouille énormément et franchement, quelque chose d'énorme. On s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. Ici, je vais directement un petit peu vous tenir au courant en fait des dernières nouvelles qui sont sorties sur Fortnite, sur Twitter, etc. dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous savez très bien et je vous invite aussi, comme d'habitude, à vous abonner parce que vous savez très bien que toute l'actualité se passe sur ma chaîne YouTube. Du coup, si vous comptez être plus informé, etc. sur Fortnite Battle Royale, eh ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que toute l'actualité des prochains jours sur Fortnite, il sera. Vous savez très bien que la saison 10 arrive fort bientôt, dans quelques jours, dans deux jours plus ou moins, et qu'on a encore énormément de teasers à avoir tout simplement, et aussi un trailer que je vous partagerai. Du coup, vous pouvez compter sur moi pour vous relayer toutes ces informations-là. Les gars, je vais pas plus parler, je vais directement commencer avec les informations, mais avant, je tenais à faire les dédicaces tout simplement des personnes qui ont commenté sur ma vidéo précédente. Du coup, voici les dédicaces. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté. N'hésitez pas vous aussi à commenter sous ma vidéo parce que vous savez très bien que je fais des dédicaces tout simplement, et si vous voulez apparaître dans ma prochaine vidéo, et bien tout ce que vous avez à faire c'est de commenter en dessous dans l'espace des commentaires tout simplement. Du coup les gars, je vais pas plus parler, je vais directement commencer avec les infos extraordinaires qu'on a sur Fortnite. C'est parti. Bon, premier leak et le plus important, celui qui nous met le plus dans l'ombre, parce que vous vous souvenez, hier on avait eu un leak de Dusty Depot qui nous disait souvenir du passé sur Twitter, par exemple par Fortnite, et on avait fait plein de théories, etc., comme quoi on allait retourner dans le passé, etc., comme quoi on allait avoir la map du passé et tout. Mais ici, on a eu dernièrement ce leak que je vous affiche ici, on dirait une espèce de robot de combat, etc., un robot de combat qui utilise un petit peu de l'énergie rose, ça je vais y revenir après, et qui nous dit promesse du futur, tout ça. Du coup ça voilà, ça nous met complètement dans l'ombre parce qu'en fait on pensait que tout allait s'arrêter, que la boule de Loot Lake allait détruire la map, etc., et qu'on allait revenir dans le passé. Mais quand on voit un leak comme ça qui nous met promesse du futur, tout simplement, ben en fait là en fait on sait plus trop quoi penser. Est-ce que de nouveau l'histoire va continuer, etc.? Et en fait ce leak a énormément de choses. Du coup sur l'image il y a énormément de choses. Il y a tout d'abord à gauche le logo du visiteur. Du coup je sais pas si vous vous souvenez du visiteur dans les premières saisons de Fortnite, je pense que c'était la saison 2, il y avait le visiteur qui était venu et qui était reparti dans la fusée, et depuis on n'a plus vu ni rien du tout. Et en fait, c'est fort possible que, vu qu'il y a le robot du visiteur, etc., qu'il puisse revenir tout simplement dans la saison 10 de Fortnite. Et il y a énormément d'indices par rapport à ça. Tout d'abord, je tiens à vous montrer, enfin, je vous ai déjà montré l'image du logo du visiteur, mais aussi sur le skin visiteur, on a un petit nombre 10 en barre, comme ça, en chiffres romains. Enfin, je ne sais pas si c'est des chiffres romains, mais en tout cas, c'est des barres. Et voilà, un nombre 10 qui pourrait bien signifier que le visiteur va revenir dans la saison 10, tout simplement. Du coup, voilà, c'était sous notre pif en fait depuis les premières saisons de Fortnite, mais évidemment on ne pouvait pas le savoir, et peut-être que Fortnite avait déjà tout prévu depuis les premières saisons et le visiteur pourrait très bien faire son retour. Alors après, revenons à l'image leakée, et bien on a un deuxième logo, mais celui-là on ne sait absolument pas ce qu'il veut dire. Il n'y a personne qui n'a encore trouvé sa signification, tout simplement. Peut-être que sa signification est déjà dans le jeu, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais en tout cas on n'a pas du tout trouvé. Mais voilà, du coup il faudra attendre les prochains teasers pour un petit peu en savoir plus sur ce deuxième logo à droite de l'image. Mais ici on ne peut rien en déduire. Tout ce qu'on peut en déduire c'est que le visiteur va très probablement revenir dans la saison 10 de Fortnite, tout simplement. Avec tous les indices qu'on a, c'est impossible que il ne revienne pas et que ça ne veuille rien dire au final. Du coup voilà, je pense vraiment que c'est ça que ça signifie. Aussi une mini théorie par rapport à ça, je vous avais dit que le robot, ici on voit bien sur l'image qu'il utilise une espèce d'énergie rose dans ses canons, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il utilisait l'énergie du cube. Du coup vous savez bien que l'énergie du cube c'est très semblable à l'énergie de la boule de Loot Lake, tout simplement, parce que la boule de Loot Lake c'est fort probablement l'énergie du cube. Voilà, parce que le cube s'était dissous dans Loot Lake et ça a créé une boule d'énergie comme ça. Du coup voilà, ici il y a beaucoup de théories qui disent que le robot est en train d'utiliser cette énergie là. Après je n'en sais rien du tout, ça c'est juste des théories et on ne peut rien prouver jusqu'à présent, on ne peut jamais être sûr de théories comme ça, mais ça se tient, c'est totalement logique. Mais alors ici en fait, là où en fait ce teaser nous met un petit peu dans l'ombre, c'est qu'on pensait vraiment qu'il allait y avoir un retour vers le passé, comme ça qu'on allait revenir aux premières maps de Fortnite, etc. Et vu que ce robot est là, eh bien c'est fort possible que l'histoire de Fortnite continue. Mais attention aussi, ce robot il a des particularités, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'a pas de tête, enfin il a vraiment un espèce
de design comme qui pourrait accueillir une personne dedans. On dirait, vous voyez un petit peu les robots sans tête qui pourraient être pilotables. Et évidemment, il y a déjà des théories qui disent que c'est le visiteur qui va revenir à bord de ce robot, tout simplement. Et ça pourrait vraiment être fort fort possible, étant donné qu'il y a son logo à côté du robot et qui piloterait le robot, tout simplement. Du coup, voilà. Ça, de nouveau, c'est des théories auxquelles on ne peut pas se fier. C'est juste des théories qui sont totalement probables, mais voilà, c'est juste des choses dans le vent comme ça. Et c'est vrai que ça se tient, mais il faut faire gaffe avec ça, à prendre avec des pincettes. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour les théories. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de lourd. On sent vraiment que la saison 10 est en train d'arriver et qu'il y a énormément, énormément d'informations. On voit que, en fait, il n'y a toujours pas eu de trailer, malheureusement, mais que, en fait, Fortnite ici ne veut pas faire de trailer, mais plutôt nous donner plein, plein, plein d'indices avec des petits teasers comme ça. Et vraiment, je pense que ils vont nous donner le trailer vraiment à la fin de ces teasers. Simplement, quand tous les teasers seront relayé, eh bien ils nous donneront un trailer tout simplement. Et ici, il y a aussi beaucoup beaucoup de chances que ces teasers puissent former un puzzle qui nous donne un mini trailer. Comme ça, vous voyez en fait qu'on puisse assembler ces images et que ça nous donne quelque chose de concret tout simplement. Du coup voilà, ça il faut voir avec tous les teasers qu'on va avoir. N'oubliez pas que je serai toujours là pour vous partager les teasers, parce que ma chaîne c'est une chaîne d'information Fortnite et que toute l'actualité Fortnite s'y trouve une vidéo par jour. Du coup, si vous tenez à être plus au courant, etc., de l'actualité Fortnite, je vous invite à vous abonner de nouveau. Du coup voilà, on ne sait pas vraiment comment va tourner cette histoire. On va attendre d'avoir les autres teasers tout simplement. Alors ici aussi, je tenais à vous présenter pour terminer le skin du jour qui a été relayé par Fortnite sur Twitter. Il s'agit du Bashi Outfit. Du coup, c'est une femme, une espèce de femme rose avec un masque asiatique, enfin un masque avec des yeux asiatiques comme ça. Et c'est du rose saumon. Je trouve que les couleurs sont très très belles. Du coup, voilà, si vous voulez vous le procurer, eh bien vous pouvez aller dans la boutique. Il est disponible tout simplement. Et du coup, voilà, ouais, c'est un très beau skin. Moi, je l'aime bien. Et voilà, j'achèterai pas, mais j'aime bien. Donc voilà les aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que ce teaser Fortnite vous mette la hype, parce que moi j'ai la hype de savoir un petit peu ce qui va se passer dans cette saison 10 qui est une saison iconique tout simplement. Du coup voilà, on va attendre un petit peu d'avoir toutes les pièces du puzzle. N'hésitez pas à vous abonner, parce que tous les indices prochains qui vont arriver dans les jours prochains, etc., seront sur ma chaîne tout simplement. Du coup voilà, tout ce que vous avez à faire c'est vous abonner et le trailer sera aussi sur ma chaîne. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et à commenter aussi pour avoir votre petite dédicace dans la vidéo prochaine. Du coup voilà, moi je me réjouis vraiment d'avoir les prochains teasers. Et voilà, tout simplement, je vous tiendrai au courant. Les gars, c'était Spuck Easy. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine les aliens.